Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans ce cinquième épisode de What Women of Edith Smith. Enfin, Finch, pardon, j'ai du mal avec le nom du jeu. Et du coup, on est arrivé à là où se cachait tout simplement Walter avec toujours plein de bouquins. Et ben, c'est parti, on va pas plus tarder. La dernière fois, on avait vu l'histoire de Barbara. Cette fois-ci, on va voir celle de Walter. C'est parti. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Ok, donc là en fait je suis en train d'ouvrir, hein. C'est moi qui contrôle pour ouvrir la boîte. Alors j'ai pas dit, j'enchaîne encore l'épisode, hein. Having a schedule, living for today. Oh là là. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you'll be used to anything. Alors pourquoi à minuit, à midi, il y a tout le temps le truc qui... Donc ils mangent toujours la même chose. On est du coup le 5 janvier ou le 4 janvier plutôt. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Et pourquoi chaque midi ça tremble comme ça? Mais pourquoi? Almost friendly. And then one day, everything just... Ah, ça tremble pas aujourd'hui. Stop. Mars 2005. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired. Le 25 mars. Or maybe I just got tired of being afraid. Vous avez vu les reflets sur le haut du réveil et sur la table à découper? La planche à découper, très très joli. Le reflet de tout simplement du texte. It's been a week now, the longest in 30 years. On est le 1er avril. J'en ai marre d'attendre. I have to leave. Well, I still can. Mais d'où il y avait une porte ici? On l'a pas vu, je l'ai pas vu. Oh, ok, on peut pas aller là-bas. Je m'en doutais. Ah. Bah mince alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, ok. On va descendre. Bah on sait où aller pour la prochaine fois du coup. Encore un sol et il y a que des bouquins. C'est pas possible. Comment on peut avoir autant de bouquins? Je comprends pas. Bah, moi aussi j'ai des livres, mais pas autant que ça, quoi. I know it's out there, somewhere. Descends encore. Ce qui a tué Barbara. Barbara. Et Molly. Molly. Un monstre. Et Kelvin. And Calvin. Ouais, carrément. C'est quoi ici? C'est l'onge de nos détritus? Ouais, d'accord. Va falloir casser le mur, je pense. Maybe this is all a mistake. Ouais, je croyais qu'on allait s'amuser à casser le mur, mais ça se casse tout seul. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. On a ouvert le mur. Alors, quoi? Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. Et derrière nous, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc on a cassé le mur là. C'était là où on était. J'ai l'impression qu'on peut pas aller vers là-bas. On va aller là-bas. La musique est super belle.
rien à redire. Franchement, l'ambiance de ce jeu est vraiment pas mal, hein. Même vous pouvez, si vous voulez, le refaire tout, bah, tout seul, quoi. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have. N'avoir plus qu'un an, comment ça? Ou un mois? Ok, il fait un décompte. Mais non, c'est même tout seul rejouer à ce jeu parce que l'ambiance est super sympa, quoi. I'd be happy with one rainy day. I can already imagine the sun on my face. D'accord, ah bah oui, ok, en fait, pendant qu'il parlait là, je comprenais, tout simplement, le... Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me. Ah, on l'a dessiné avec son truc, ok. Et en fait, ce qu'on entendait à chaque fois, c'était le train qui passait, d'accord. Le train qui passait à midi. I'm sure my mom was trying to protect me. Bon, on va continuer, hein, parce que ça fait que 5 minutes, là, même pas 6 minutes. On aurait pu continuer la dernière fois, mais bon, comme je ne savais pas. Bon, les épisodes de 20 minutes, je vais essayer de faire un épisode un peu plus long cette fois. Et d'accord, en fait, à chaque fois, ce qu'on entendait passer, le bruit qu'on entendait, bah, c'était le train, en fait. Et du coup, bah, en fait, il est mort écrasé, d'accord. Mais, bon, en fait, il a dû écrire ça et partir, à mon avis. Sûr que ma mère essaie de me protéger. Bon, on va passer ici. Hop. Descendons. J'espère qu'on va pas se faire écraser par le train. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. D'accord, donc il y a bien tout ça. I don't want to make the same mistakes. Ok, il y a bien un train. Trying to bury something that's still alive. Sauvegarde en cours. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories from myself. Son frère, l'autre, là. And found out what happened to everyone else. Milton, du coup. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter, d'accord. Pourquoi il y a des chaises dans... Et pourquoi là les rails du train passaient là? Je comprends pas tout. Quand même, c'est bizarre d'avoir un train qui passe sous sa maison. Regardez, on voit la maison là-haut. On va continuer du coup. Et du coup, là-bas, il y a l'ancienne maison. Hein, du coup. Si j'ai bien tout suivi. Mais pourquoi il y a des chaises dans les arbres là? Ah, regardez! C'est les têtes qu'on voyait tout à l'heure là. Enfin, tout à l'heure, non, dans l'épisode dernier au sous-sol en fait. Au niveau du comment ça s'appelle? Quand jouait Barbara, en fait, dans l'histoire, il y avait ces têtes-là. Ah, ça c'est une tout seul. But I thought you should know about your family. D'accord. Là, on a la maison. Et en fait, c'était... d'accord, bah, ça s'est écroulé, puisque c'est tombé en ruine. Et là, ici, on a là où on est rentré, là. And the history you're a part of. Ah, mais faut pas aller là. Si, il faut aller là-dedans. Attendez, on va voir. Je disais, on peut pas passer ici. Si, on peut aller là-bas. Bon, allez, on va aller voir la grille. Là, c'est la grille, on est passé avec Molly.
Voyons ce qu'on peut faire. Non, on peut rien faire ici. D'accord, d'accord. Bon, on est arrivé. Ça fait un moment qu'on est arrivé, parce qu'on est arrivé, il faisait jour encore. Là, il fait nuit. Donc là-bas, il y avait un train qui passait, mais c'est quand même bizarre. À mon avis, je peux pas aller dans l'eau. Bah, j'ai vu hein, où je devais aller. Ah, si, si, regardez. Mais le train passait là-bas. Très bizarre. Ok, on peut pas aller plus loin. Très joli. Qu'est-ce qu'on entend à mon avis? C'est le ferry ou c'est là-bas? Bon, je ne sais pas. Je réfléchis aussi en même temps en fait à où prendre la miniature parce que j'aurais bien pris dans le bunker là-bas. Mais maintenant qu'on est parti, alors soit je la prends ici de la maison à l'extérieur, mais ça fait un peu bizarre. Donc je ne sais pas. À mon avis, on va monter à la statue. Si on monte à la statue, je la prendrai là-bas. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. D'accord, bon, bah, ça va quand même, le jardin est sympa. Alors, je vais pas là, à mon avis, on peut pas aller par là, ouais. Ouais, c'est bloqué. Ok. Bon, bah, on va aller. À mon avis, on va aller à la statue. Puis alors, je prendrai la statue en miniature. Bon, je dis ça en épisode, même si en vrai, bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais bon. Ça vous fait un peu part des coulisses. Ah, on peut aller sur le ponton. Allons-y. À mon avis, il n'y a rien à faire, mais. Peut-être une petite phrase. Ouais, voilà, on s'arrête ici. Ouais, à mon avis, on va devoir aller à la statue. Bon, bah, c'est parti. Mais très sympa l'ambiance. Franchement, plus le jeu avance et plus j'aime bien le jeu, quoi. Même s'il est linéaire, il est calme, il est tranquille. Pas trop d'action, hein, même presque pas. Mais c'est bien, c'est très sympa. Et c'est pas assez. Moi j'aime bien ce genre de jeu où l'histoire prime avant tout dans. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness. Où l'histoire prime sur seulement qu'un jeu d'action quoi. Any of it seems possible. Donc on peut pas aller là-bas, ça sert à rien. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. D'accord, d'accord. Là, il y a la cabane dans l'arbre. Est-ce qu'on peut monter dans la cabane? Ça, ma grande question, parce que moi, j'aimerais bien y aller. C'était bien quand même, cette cabane. Et là-bas, il y a un village, hein, quand même. En fait, notre maison est un peu l'extérieur. Ah, peut-être ici? Non. Ah, je suis coincé. Ah, il y a des tombes. Super. Ah bah oui, c'est là où il disait qu'il était enterré les gens. It's embarrassing for me to admit this, but... J'ai du mal à l'admettre, mais le cimetière pour les animaux ne mettait plus mal à l'aise que celui des hommes. Shadow, Oliver, Sachi, Bob, Christopher... Ah, et Christopher, c'est le poisson. Ça doit être les animaux à chaque fois. Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. C'était ma faute, d'accord. Charlie, Daisy, Lucy, Turpie Junior, Burpie, Turpie, Furpie, Durpie, Zurpie, bah dis donc. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Là, ces animaux. Ah, il y a même la grenouille. Ah, bon, c'est pas comment elle s'appelle. Oh, et Billy. Molly. Kelvin, on l'a vu, Sven, Eddie. Alors j'essaie de lire là-dessus, mais à mon avis, il n'y a rien écrit. Walter. D'accord, et Barbara. Il n'y a pas Sam ici en fait, donc pour l'instant, il n'y a que bah, ceux qu'on a vus qui sont enterrés ici. Et oui, Odin, c'est là-haut. Et on n'a pas vu l'histoire d'Eddie encore, comment elle est morte.
I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ah, regardez, à mon avis, il faudra aller par là après. She could see it poking out of the water. Elle le voyait émerger de l'eau à marée basse. Ah, la maison en fait. Du coup. Edie said she dreamed about the old house every night. C'est ça qu'on entend en fait. Ok, et c'est ça qu'on voyait, là, l'ancienne maison. Oh, attendez, hop. Recule du coup. D'accord. Attendez, ah, dommage qu'on peut pas avoir un peu plus de recul ici. On va prendre la miniature comme ça. Hop. Alors attendez, je prends la miniature avec vous du coup. Encore désolé, bon. C'est vrai que c'est pas très... très très bien de faire ça. Attendez, j'ai bougé sans faire exprès. Ah non, c'est pas ça. Hop. Ah oh, mais non. On veut quand même le... la famille en bas. Alors attendez. Faites. Hop, voilà. La nouvelle miniature du coup pour cet épisode, hop, j'appellerai balade nocturne. Bon, on va aller jusqu'au prochain point de sauvegarde du coup. Edie's side was always easier for me to understand. Mm-hmm. D'accord, d'accord, mais en vrai la statue et ce coin là est sympa. Bon, le cimetière un peu moins, mais le là-bas, c'est assez sympa, ça va. Ah ben voilà, on a la suite. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just Sam, trying to do better. Et Grégory. On ne sait pas ce qui leur est arrivé à eux encore. Ah, et on va aller dans la cabane. She lost two of her brothers, just like I did. I get why Lewis she tried so hard to protect us. Et Sanjay Kumar. Ouais, attends, c'est qui Sanjay? Sanjay. Ah, c'est notre père, Sanjay. Et, ah oui, j'allais dire, il n'y a pas la tombe de Milton, mais si. Et Lewis, c'est une sorte de couronne. Attendez, parce qu'à chaque fois, ça ressemble un peu à pourquoi ils sont morts. À quoi c'est dû à peu près? Donc par exemple l'autre c'était une fusée, Bolly c'était un chat avec des ailes, Swan c'était l'arbre, là c'était les livres, Walter bon c'était des cailloux, un caillou avec un œil, enfin ça faisait une tête, pas trop compris, Molly une étoile, d'accord. Gus, alors attendez parce que Grégory c'est celui qui est mort et avec un an du coup. Donc bon bah il y a rien à côté en fait. Que c'est un tourniquet là et Sam a un drapeau. Mais Sam c'était celui qui était devenu soldat je crois. Après du coup on a Sanjay où bah y a rien. On sait pas du coup. Lewis une couronne et Milton. Ah y a pas écrit mort hein, du coup. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument. Et d'une pierre tombale, d'accord. Donc elle a érigé un monument plutôt. D'accord. Et là-bas, il y a la cabane. Bon, au moins, c'est rassurant. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. D'accord. Mais laisse-moi parler. And find everything out for myself. Bon, au moins, c'est rassurant. J'allais dire, il n'y a pas notre tombe. Il y a notre tombe, pardon. C'est déjà ça. Donc on va monter dans la cabane. La cabane où on était, bah, épisode 2, où on était avec Molly. En tant que chat, du coup. Sauvegarde en cours. Mais rétrospectivement,
Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, l'épisode fait 20 minutes. Au début, je pensais partir sur des épisodes de 30 minutes pour la série, mais on va s'arrêter à 20 minutes. On va juste marcher un peu dans la cabane. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 alors que je ne serais jamais venu alors que j'étais enceinte de 22 semaines. Ah, donc on est enceinte. D'accord. Bon, alors attendez, je vais mettre là-bas pour qu'on ait un petit point de vue pour se dire au revoir. Bon, on se reprendrait. Oh, ok, il y a une branche au milieu. Donc on est enceinte, d'accord, d'accord. Et là, on va monter. Ah, bah ok. Je vous disais, mais c'est quoi le troisième étage? Mais en fait, il est là, vous voyez. Le toit était agrandi. Ok. Bon, bah, prochaine étape, on va aller là-bas et puis on va aller à l'étage où on était, du coup. Je pense qu'on a fini le sous-sol, qu'il n'y a plus rien. Et voilà. Bon, bah, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais enchaîner sur, du coup, l'épisode suivant. L'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises. L'histoire de Walter était un peu triste, du coup, qu'ils soient en bas. Chaque fois, le train passait et du coup, eh ben, c'était tout simplement... Enfin, à midi, ça tremblait, c'était le train qui passait. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi le train passe dans des tout petits endroits. Sauf qu'il devait passer vite pour faire un boucan pareil et que enfin, ça tourne vachement serré. Il a dû se renverser des fois, à mon avis. Enfin, bref. L'ambiance du jeu est vachement sympa. J'avais pas vu qu'il y avait un bateau là-haut. Wow. Et à mon avis, on va monter comme ça et on va monter tout en haut. Bon, bref, c'est super sympa comme jeu. J'espère que vous aimez bien. Si vous connaissez pas le jeu, bah, j'espère que vous amusez à le découvrir en même temps que moi. Et puis si vous le connaissez, je pense que vous rigolez des fois par rapport à ce que je dis quand on connaît la suite. Hein. Je pense que ça arrive toujours, mais voilà. En tout cas, voilà. On arrive du coup à la fin de l'épisode. C'était Mister Caméléon. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao, bye bye.